Mercredi 2 février 2022. Aujourd'hui, c'est colonne de Buren. Colonne de Burin, si vous préférez. On fait péter les 7 qui restent. Costaud celui-là. Jamais eu autant de résistance sur une carotte. Troisième carotte. Numéro 13. C'est du rude, hein? Quatrième. Numéro 4. Cinquième. Celle-là, elle devait être fêlée. Il va y avoir une fissure. 5. Sixième carotte. Je regarde si ça tourne toujours. Ouais. Six. Numéro 6. Siete.
Costos, costo, custo. Elle est rude. Sept. Au chaud, c'est la huit. Là, je suis mal positionné. Là. Mais là, il n'y a rien qui va là. Il faut que je me cale différemment. La 8. Il ne veut pas venir le petit morceau, on va le laisser comme ça. J'aurais voulu éviter de le casser. Voilà. La 8. Il y avait une petite trace de fissurage. La 8. Et on va terminer. Ça va faire 7 minutes 53. On va terminer avec la 9. La 9. C'est pas l'autoroute, hein. Voilà la 9. Et on va regarder l'intérieur qui m'a l'air parfait. Parfait, parfait, parfait. On va faire un plan là-dessus. On va dézoomer. Voilà. Beau travail, hein. Voilà, 9 minutes 03 pour faire ce petit truc. Maintenant, je vais attaquer la roue dentée selon 18 points de burinage pour essayer de la conserver en entier et faire un puzzle. Avant le déjeuner, j'ai fait deux tours. En partant du numéro 1 ici, avec chaque fois 4, 5, 6 coups, 4, 5, 6 coups, 4, 5, 6 coups. Donc j'ai fait une première rotation, une deuxième rotation, et après le déjeuner, je viens de réattaquer au point numéro 1, 2, 3, 4, 5 coups, 2, 3, 4, 5 coups, 2, 3, 4, 5 coups, et au troisième, eh bien, la couronne a sauté parfaitement comme je le souhaitais, mais c'est évidemment un travail de précision, hein, qui consistait à bien frapper au burin sur toute la périphérie
de chaque demi-quart de cercle, là. Voilà. J'ai donc une pièce superbe ici, voilà. Avec une belle rupture. C'est magnifique, voilà. J'en espérais pas autant, hein. Je me disais ça va peut-être péter en deux morceaux, ou peut-être en trois. Mais là, au troisième tour, toc, dégagé. Donc il ne me reste plus qu'à dégager la carotte de 50 mm centrale. Voilà. C'est une belle réussite qui me satisfait totalement, provisoirement, du moins pour le premier niveau qui fait 35 mm de profondeur. Hein. Parce que je vais continuer, bien évidemment. Et je vais trouver une nouvelle méthodologie pour approfondir la cuvette. Voilà, je vais terminer avec la carotte de 50 mm. Voilà, parfait, c'est magnifique. Bon, ça demande une certaine réflexion, mais le résultat est là, je suis très satisfait. Vous aussi, j'espère, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que ça cause pas beaucoup dans les commentaires.